Bonjour à tous les amis. On est un certain jour de semaine. Ah, moi j'habite à Bouta. Ouais, on doit être samedi, je crois. Petite vidéo tranquille. Voilà, avec les poupoules. Alors, ça, c'est la gamelle d'Eric. Le petit, hein, le cochon. Et donc le nettoyage, en fait, je la pose là. Pourquoi? Parce que les poules nettoient tout, la gamelle, nickel. Ouais, je t'ai vu, il n'y a plus rien, t'es dégoûté. Il va falloir arriver avant. Donc petit tour ici, j'ai posé les lumières. Une lumière ici, une lumière là, pour éclairer le soir. J'ai enfin mis la petite prise. Tu viens bâtard ou tu restes là? Allez gros. Chut. Allez, viens dire bonjour. Hop. Stop. Dis bonjour. Allez, on y va. Non, ça c'est pas à toi. Alors, voici les avancements dans la maison. Donc on a fait la barrière ici, il y a Stoyan qui fait ça là. Voilà. Que ça c'est l'œuf. Ouais, si, ah. si. Ouais. Non, mais ça fait ça. Ok, les problèmes. Donc voilà, le bassin, ici. Le bassin. Donc pour ceux qui voudraient bien se baigner, hein, n'est-ce pas? Là, les poules sont là. Donc ici, j'ai encore. Vous voyez ici, j'ai ramené le plimoute là. On a ramené le plimoute. Je l'ai branché. À l'intérieur, je vais vous montrer, mais j'ai une petite fuite. Alors ici on va repasser un plimout jusqu'à l'intérieur aller et un autre retour, parce que ici on va essayer de prendre des pierres là, et je vais essayer, hein. J'ai jamais fait, mais bon, on verra bien, hein. Comme dira l'autre, inchallah, ça marche bien, ça marche pas, tant pis. Alors ici on va faire une fontaine en pierre peut-être. Alors, ensuite, alors, donc, Eric va changer de coin. Alors, Eric. Voilà. Voilà pour le cochon. Là, on va faire une petite chape béton. Tu vas aller voir. Allez, va voir. Va voir, gros. Allez, va. Allez, rentre. Allez, voilà, on enferme le gros. Chut. Allez, tu viens? Allez, viens. Allez. Allez. Allez, pousse. Pousse. Allez, pousse. Allez, pousse. Pousse. Vas-y, pousse, pousse. Voilà, super. Donc voilà. Ah bah oui, t'es content. Donc, petit cochon, change de place. Là, une fois qu'on a fini de fermer avec la barrière, les chèvres, les moutons, pardon, vont être en liberté. Bah ouais, petit bébé, bah oui. Ouais, tu fais ton fou. Tu fais ton fou. Allez, Eric. Laisse-la. Hey. Je vais lui mordre les pieds. Alors, ensuite, pousse-toi la poule. Alors, donc l'eau est ici, là je vais l'accrocher, j'ai mis le robinet, voilà, l'eau va venir comme ça, juste pour donner de l'eau aux poules, faire des trucs. Alors, regardons dans les niches, là il n'y a pas d'œuf. On va aller voir. Coronavirus. Alors, on a un œuf, on a trois, là il y en a deux, il y en a un. Un petit peu avant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer le poulailler. Il y en a un quatrième là-bas. Alors, un, les amis. Un œuf. Oh, il y en a un qui est tout chaud, il vient d'être fait. Trois. Trois. Quatre.
Ok. Bon, ben, il y en a 4 pour l'instant. Alors, attendez, bougez pas parce que si je casse un œuf ici, ils vont tous se jeter dessus et après je vais galérer à. On va poser les œufs, après je vais vous expliquer ce que je vais certainement réfléchir. Alors, j'ai encore pas fini mon étau parce que j'avais pas envie. C'est l'avantage quand on fait ce qu'on veut. Là. Et après ça. Ok. J'arrive. Donc là, on va étaler le gravier ici, là, pour éviter de se rentrer de la boue dans la maison. Allez, gros. Hop, on va poser ça là pour l'instant. 2 et 4. Comme hier, on en a eu 15. Là, je viens d'en vendre 40. Non. Non. Allez, la sortie, c'est par là. Donc voilà, on a fait aussi la petite descente là, Steve est venu. Il nous a fait ça là pour éviter. Et ensuite, on va mettre du gravier là, comme ça, qui va rejoindre ici. Voilà. Donc là, on attend Steve, le gravier et tout ça. Et ici, il va étaler le sable, on va pouvoir jouer aux boules. Alors, on va nettoyer tout ça. L'autre fois, dans les bottes de paille là, je regardais, j'ai vu une poule passer. Oh, je soulève 7 œufs. Donc, parce que vous voyez, j'en ai chez la voisine là-bas, il y en a sur la route, il y en a sur la route là-bas, il y en a qui vont en face là chez Brigitte. Enfin bon, à partir d'une fois que ce soir, elles seront rentrées. Après, elles feront plus ça, sauf si elles s'envolent. Voilà, les amis. Bon. Et ben, c'est samedi, donc aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui bosse. Parce que pour eux, c'est Pâques. Pâques orthodoxe. Alors la poulette. Et donc ouais, je vais m'occuper un peu de ma maison. Voilà, donc là je suis en train de brancher l'eau, j'ai encore une fuite dans la buanderie. Donc je vais vous montrer. Et il faut qu'on aura fini la buanderie. Voilà, ici. J'ai une petite fuite ici. Donc je redémonte et que je refasse. Parce que le petit mout, normalement ça n'existe pas les fuites. Hein. Ça n'existe pas, je le brûle. Voilà les amis, bon ben je vous laisse, peut-être je vous referai une autre vidéo aujourd'hui parce que j'ai une petite idée là, je vais voir ce que ça donne. Voilà, bon n'oubliez pas de vous aimer un petit peu les uns les autres, hein, ça serait cool. Pardonnez, hein, pardonnez, ne soyez pas dans la méchanceté, dans la vengeance, tout ça, pouf, ça sert à rien, tout ça c'est de la merde. Voilà. Et petit message à ceux qui gouvernent et qui nous mentent depuis des années et des années, qu'est-ce qui est fou derrière celle-là? Une poulette qui s'est barrée là-bas. Depuis des années et des années, alors que ce soit Macron, Édouard Philippe, Sarkozy, enfin tout cela, on y arrive les amis, hein? Hey Edouard, tu sais que tu vas passer en procès. C'est fini ça maintenant. Alors je serais toi, je me bougerais le cul comme tous tes députés de merde là. Moi je serais vous, je voterais la destitution de Macron. Sinon vous serez accusé de complicité de meurtre, complicité de génocide. Hein, parce que quand on laisse le coronavirus hein, se développer sans masque, sans rien, sans s'occuper de son peuple, ça veut dire qu'on tient à ce qu'il soit génocidé. Donc, complicité de meurtre, complicité de génocide, complicité de vol en bande organisée, enfin, etc. Enfin, la liste est tellement longue que je ne vais pas vous la faire. Mais ça y est, on y arrive au procès, les gars. Hein? Alors, je serai vous, je me bougerai le cul. Faites comme vous voulez, mais nous, on est prêts. Allez, les amis, je vous laisse. Passez un bon samedi et peut-être je vous referai une vidéo. Allez, ciao.